Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Mekarduka, on se retrouve aujourd'hui sur Mario Kart 8 pour la suite des tournois, enfin, pour le début tout simplement, enfin, tournoi spécial Mario Kart 8 sur spécial Sacha. 5000 abonnés. Voilà, j'ai enfin réussi à dire ce que je voulais, bien que Sacha m'a un peu aidé. Alors attendez deux secondes, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok. Eh bien, écoutez, on va commencer. Non, on est 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, t'as raison. Ok, donc on va tout de suite commencer. Alors, bon, pour l'instant, on commence un petit Grand Prix. Grand Prix, 150. 150. Ah oui, attends deux secondes, juste qu'on ait les... Comment tu fais déjà? Ah non, c'est peut-être à moi de le faire. D'accord, ok. Comme ça, on commence bien avec le bordel du chat. Chacun pour soi. Tous les objets. Sans IA, tous les véhicules. Comment c'est... Oh putain, mais comment tu veux comprendre quelque chose là-dedans? Donc on suit, hein, tout à l'heure c'était Splatoon, et donc là c'est Mario Kart, en espérant mieux jouer que... Parce que pour ceux qui ont vu, hein, si vous avez regardé le tournoi de Splatoon, du moins, je sais pas comment on va répartir les épisodes, mais je pense que là, il y aura déjà un épisode de Splatoon disponible. Qu'est-ce qu'on a, Sacha? Je vais choisir le premier circuit, moi je choisirai le deuxième. Oh oh... J'étais le dernier à choisir. Heureusement, on a le temps. Alors attendez, juste je desserre un petit peu mon casque là, parce que ça commence un petit peu à me serrer légèrement, on va dire. Alors, 4 grands prix, 2 en équipe. C'est 4 courses, un grand prix. De quoi? Ouais, 4 courses, donc ça fait 16 circuits. Donc oui, 4 grands prix, ça c'est comme d'habitude. Hein. On a déjà fait plusieurs fois des tournois Mario Kart 8, à chaque fois on fait la même répartie. C'est ça qui a été choisi. Et donc, pourquoi 4? Parce que vous aurez 2 dans une vidéo et 2 dans l'autre. F0, d'accord. C'est lequel? C'est Big Blue? Je vais entendre avec la musique. Écoutons. Merde. Ouais, c'est Big Blue. Ah, mais... Pop. Slash. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai désactivé les vibrations dans mon Wii U Pro Controller. C'est pas grave, tu... Ah oui, non, tu peux pas. Non. Mais c'est pas grave. Mais c'est 10 fois mieux de jouer avec les vibrations. C'est... Ouais, c'est vrai. C'est mieux, je trouve. Ah, merde. Là, pourquoi t'as désactivé les vibrations alors? C'était pour... en fait, à chaque fois, je confonds vibration et son dans les Wiimote. Ah. Donc du coup, quand on joue Galaxy, comme je sais pas c'est lequel, du coup, je désactive les deux. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est pas très grave. C'est... Parce que dans... Ah oui. Ouais, au pire, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, bon, je suis 11ème, ça commence bien, sachez 8ème. Comme ça, il pourra au moins. C'est deux grands prix dans une vidéo Ouais, c'est ça, un équipe et un classique. Hein, voilà. Je sais pas, peut-être qu'on fera. Non, je pense qu'on fera du 200cc, franchement. Ça me tente pas trop, mais après, si les gens veulent, on fera du 200cc. Donc, bon, comme d'hab, spécial 5000 abonnés. Donc, encore une fois, merci pour les 5000 abonnés. C'est vraiment énorme, quoi. On pensait jamais faire des aussi gros chiffres. Donc, bon, pour ceux qui ont vu la rediffusion de Splatoon, vous devez vous dire, ah, oh, mais ils disent la même chose. Oui, mais c'est parce que peut-être certaines personnes veulent voir que Mario Kart 8, dans le cas où. Donc, voilà. Donc, en tout cas, merci à vous. Et écoutez, bah voilà, maintenant, on va essayer de passer un bon moment. Alors, juste pour ce qui est. Pour ce qui est des vacanciers, donc les épisodes de Mario Kart 8 qui étaient cet été, bon, il n'y en a pas eu énormément, mais il y en a eu quand même. On en fera encore un dernier épisode, et après, ça sera terminé. Enfin, s'il y a d'autres vacances. Si, on ne sait pas, peut-être si un jour il y a d'autres vacances. Si, voilà, bah peut-être que voilà. Mais comme c'est pas sûr qu'un jour dans notre vie. C'est pas sûr que MV44 revoit des vacances un jour, ce qui veut dire que ça va sûrement s'arrêter avant. Que MV44 va fermer porte avant les vacances de la Toussaint. Donc, 6ème. Bien sûr, ce n'est pas vrai. 5ème. Ah ouais. 9ème. Ouais. Ouais, écoutez, je suis pas dernier et je gagne 4 points. Donc pourquoi? Ah oui, mais non, c'est pas les points. Oui, c'est les trucs Grand Prix, c'est vrai. À moins d'être dernier, tu gagnes quand même des points. Je n'ai rien d'autre à ajouter. À part le fait que je suis 9ème et maintenant je te propose Sacha que nous foncions dans le jeu. Alors vas-y, calme. Alors tu fais un coupe clochette. Non, coupe Animal Crossing. Ah mais pourquoi je fais ça aussi? Animal Crossing. C'est Animal Crossing. Là. D'accord. Et tu fais Animal Crossing. Tout simplement. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit que. Je pense que ces deux personnes là sont ensemble. Là, lui et lui. Je suis pas sûr. T'as vu la vidéo Game Explorer ou pas? Non.
Tu peux choisir la saison dans le circuit Animal Crossing. Comment? Je crois qu'il faut que tu appuies sur L, ZR et... Mais je suis pas sûr, je sais pas. Je vais pas regarder en entier, mais je sais qu'il y a un truc à faire. Et ça fait comment? En clair, ça te met la saison en gros? Non. Non, c'est... mais par exemple, si tu appuies sur ZL et ZR, ça fait l'été. Après, si tu appuies sur L et R, ça fait l'hiver. Après, si tu appuies sur ZL et L, ça fait le printemps. Enfin, il y a un truc comme ça. C'est un code caché? Oui, c'est un code caché. On se demande comment ils sont trouvés. Bon, allez, on est parti. Allez, vas-y, là, qui tue. Ce circuit, il est pas dans les DLC. Ouais, bon, c'est pas grave, on se prend une couple spéciale DLC. Allez. Je sais plus si on peut activer juste le DLC. Ah, oui, je crois. Quoique, non, je sais pas. C'est une bonne question. Ouais, donc désolé, hein, si vous avez pas les DLC, vous pouvez pas participer. Hein, mais bon, hein, maintenant. Toutes ces personnes-là que tu vois, Sacha, ont acheté le DLC. Ah là là, vous êtes. C'est n'importe quoi, acheter des DLC. Tiens, je vais te défendre. Je pense que tout le monde. Je pense que tout le monde a acheté. Toutes les personnes qui ont Mario Kart 8 ont acheté des DLC. Non. Enfin, la plupart. Non, mais. Plus de la moitié. Dis-moi, les personnes qui sont fans de Nintendo comme nous et qui ont de l'argent à dépenser. Eh ben oui, des ont acheté, voilà. Mais n'empêche, non, les DLC, franchement, vous faites une bonne affaire parce que c'est pas de l'arnaque. Bah, ça vous rajoute combien déjà? J'ai oublié, hein, ça vous rajoute beaucoup de circuits. Bah non, si, c'est ça. 4 grands prix. 4 grands prix, soit 16 circuits pour seulement, c'était quoi, 15 euros, c'est ouais. Ça. Donc, c'est ce qui est vraiment, mais vraiment balade. Plus plein de personnages, ouais. Plein de véhicules, plein d'éléments de personnalisation du véhicule. Mais voilà, ça rajoute de... Bon, bien que c'est dommage parce que je trouve que les persos et tout, ils auraient dû les mettre à débloquer, comme ça t'aurait rajouté de meilleurs. Hey, il y a Playtendo, il était là sur Splatoon et maintenant il est venu sur MK8. Ah oui, tiens, attends, on va essayer de voir s'il y a beaucoup de. Je suis 3ème, tiens. Mon billball était vraiment infini. Non, il y a des personnes qui étaient pas là sur Splatoon. Par exemple, je crois que la personne qui est devant Roi moi. Mario. Roi Mario, il était pas là sur Splatoon. Ah, c'est. Non, c'est pas Roi Mario. C'est, mais Roi Mario, il est. Oui, non, d'accord. Mais par exemple, la personne là, le barbu qui est devant moi, je crois pas qu'il était avec nous. Hein. Enfin, qu'il, du moins, il était sur Splatoon. Attends, je vais essayer de défoncer Lucas. Ah, putain, merde, j'ai eu. Putain, dommage, j'en ai. Eh, je me démerde pas mal là. Je vais peut-être finir avant Sacha, parce que Sacha est 5ème. C'est mon objectif, écoutez. Finir avant Sacha. Au moins pendant une course, et cette course-ci, ça va bien parti. Non, le con. En plus, je le voyais. En carbone bleu. Je me suis pris une rouge par derrière, mais quel con. Je suis con. Oh. Bah écoutez, hein, je vais essayer quand même de finir avant Sacha, au moins durant une course. Allez, une petite étoile, mais bon, les étoiles dans le jeu, ça sert à rien. C'est pas aussi cheaté, on va dire, que dans Mario Kart Wii. Dans Mario Kart Wii, tu faisais la remontée. Ah, oh, merde, j'essaie de le défoncer, j'ai pas réussi. J'ai quand même des champis là. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable, mais ça m'aura servi. Quatrième. Septième. J'ai eu un moment de peur parce que j'ai cru que c'était pas fini. Et ce qui fait que je suis 8ème sur le classement. Et Sacha 4ème, donc voilà, bon bah écoutez. Ça commence bien pour moi, hein. Sacha est dans le top. Non, t'es pas dans le top 3, dommage. Ou bien fait plutôt. Attendez, je remets ce casque. Ce casque commence à peser lourd sur ma tête au bout de 2 heures là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens. Attendez, on va peut-être pas. Tiens, descente givrée. Ah ouais. Oui, descente givrée, ça faisait depuis longtemps qu'on avait pas fait. Une descente givrée. Oh, oh, moi j'aime bien Bécarole 4, ils sont gentils. Moi j'aime bien Violet. C'est pas vrai, on mange les toads. On mange les toads. Ah, mais t'as pas dans le casque. Et moi j'aime bien. Je crois que c'est Enzo Mario qui a dit ça, mais je suis pas sûr. J'ai cru. Enfin, dans... Bah, je crois qu'à chaque fois on dit oh, c'est Enzo Mario qui parle, mais à chaque fois c'est pas Enzo Mario, donc comme ça. Oh, encore F0. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Qui est une très jolie ville d'ailleurs. Ma blague a foiré parce que je me suis emmêlé les mots. Parce qu'en fait, quand vous faites Nancy, Nancy. Mais c'est pas le même. Mais c'est pas le même. Non, c'est pas le même. C'est pas Big Blue. Big Blue. Alors, c'est F0 classique. Attention. D'ailleurs, c'est la mode là, en ce moment de mettre des zéros sur les noms. Enfin bon, sans parler de F0, hein. Mais t'as Project Star Fox 0 et Project 0. Donc voilà. Les deux. Parce que Project 0. Xenoblade 0. Non, ça c'est Xenoblade X. X tout simplement qui est sorti depuis très longtemps au Japon mais toujours pas en France. Et d'ailleurs c'est pas possible qu'il s'appelle Xenoblade Chronicle X qui sortira sur NX, pas du tout. Oh. Non mais il va sortir sur Wii. D'ailleurs il est déjà sorti sur Wii. Bah oui, chez les Nippons.
Par contre, chez nous, non, c'est triste. Il sortira, je crois, en décembre, si mes souvenirs sont bons. On sait loin de faire la traduction, ce jeu. Ouais. Non, mais tout le temps, les RPG comme ça, ça prend plus de temps. Et en plus, généralement, ils sont même pas. Enfin, si, ils sont traduits en français, mais les voix, généralement, sont même pas traduites en français. Donc, ça, c'est dommage. Voilà. Enfin, c'est dommage. D'ailleurs, ça avait été critiqué sur la version 3DS que tu t'avais pas les voix japonaises. Ah, c'est vrai? N'importe quoi. Ouais. T'avais pas les voix japonaises. C'est du grand n'importe nawak. Attention, sur la version Wii ou 3DS. Wow. Non, la version 3DS. Sur la version Wii, t'as les Wii U sur Xenoblade Chronicle X, tu dois avoir les voix japonaises, ça c'est sûr. Et sur la version 3DS, tu les avais pas. T'étais... Non, ils n'existent pas sur 3DS. Ils n'existent que sur New 3DS. Non. New 3DS. Xenoblade Chronicle. Oh oui, d'accord. Non. Faut être précis, hein, mon petit. Là, c'était ma période d'agonissement. Non. Oh putain. Et là, regardez, je fonce dans la peau de banane. Non, c'est bon. J'ai su éviter. Tout le monde a des abîmes, ma parole. Sauf moi. Et quelques autres individus. Putain. Il est où avec sa carapace bleue, lui? Je suis vraiment nul. Putain, je me suis pris ta bleue. Tiens, voilà. Ok. Non, je sais plus dessus. Concentration ultime. Ah, GL44, lui, peut-être quelqu'un de très jeune, hein, qui sait. Allez. Qui sait. Encore un casseux qui met le nom de sa région dans son pseudo. Hein, Socha. C'est vraiment que les cons qui font ça. Oui, effectivement. Comme un certain MV44, c'est vraiment des cons. Mais... Est-ce que ça serait la remontée de la dernière ligne droite? La remontée de la dernière ligne droite, et non, je suis ici. Et je finis avec un 6 à l'envers. Est-ce que depuis le début t'as fini à une autre place que 9ème? Non, je crois pas. Alors attendez 2 secondes, juste petite pause parce que je vais reposer un truc bizarrement de son jour lui. Après. Ah non, mais qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Descends de givré. Ça. Donc ça. Descends de givré. T'es con ou t'es con? Je suis devenu débile avec moi. T'es vraiment débile. Alors, en fait, il y a eu un petit problème technique. Attends, par contre, on va couper cette merde. Non, mais c'est bon, je peux couper avec moi. T'es con ou quoi? C'est moi qui l'active, en fait, avec mon Nunchuck. Bon, alors, désolé, hein. On valide comme si c'était un grand prix, et en plus, on valide que c'est moi qui ai gagné ce grand prix, parce que, voilà. Oh! Je parlais avec Sacha. Ah, d'accord, maintenant, c'est par là. Tu peux arrêter ça, merci beaucoup. D'accord, ok. Alors, on est sur la route arc-en-ciel 8 bits. Route arc-en-ciel datant de la Super NES remise sur Mario Kart 7 et remise sur. Ah, ça fait bizarre. Putain, on aurait dû réactiver les vibrations quand on a eu le bug. Putain, mais on a fait des conneries là. Quand on a eu le bug. Hein. Oui, le bug. En fait, réellement, Sacha a déconnecté tout le monde. Non. Ce qui s'est vraiment passé. Non, c'est pas vrai, c'est toi avec ton truc de merde. En fait, comme il voulait me faire perdre du temps, il a mis en pause et au lieu de reprendre la course, il a mis quitter le Grand Prix, ce con. Mais bon, c'est pas grave. Vous savez, jouer avec Lucas, c'est... Mais non, mais on est en train de poser le micro sur un socle, d'ailleurs. D'ailleurs, on l'a même pas fait. Après, j'ai tellement ragé sur notre cher ami Sacha. Et en plus, ce con... Quand je posais le truc sur la sac, il était en train de prendre de l'avance, donc moi, comme ça m'a énervé, j'ai mis en pause, et après, bah, par erreur, au lieu de mettre le prompt, j'ai tout quitté, donc voilà, comme ça, c'est la fête. Bon, enfin bon, c'est pas très grave, par contre, il y a une putain, voilà, c'est bon. Une putain, de... J'espère que vous entendez bien, quand même. Non, mais arrête! Ah, non, c'est bon, t'es tombé. Carrément, le micro, carrément, après, le micro était tombé, c'était pour vous dire, enfin bon, c'était carrément le bordel. C'était vraiment fou. Allez, merci. Allez, regardez, putain, je suis fatigué. Putain, mais t'es avec Gamesplay Mario, Roi Mario, putain. Et tous les mecs hyper forts. Moi, j'ai pas trop fait gaffe avec qui j'étais. On va te prendre. Ouais, mais pas pour longtemps. Arrête de dire ça, c'est normal. Putain, j'aurais voulu être l'équipe rouge plutôt, parce que l'équipe rouge, c'est un porte bonheur de rouge. Et là, j'ai pas eu de cube, tu vois. Ça veut dire que hein, je suis dans le cube. Merde, je voyais. Oh, je suis paumé! Oh, je me suis. Le mec, il arrive à se paumer sur un circuit de Mario Kart 8 quand même. C'est pour la première fois de toute ma vie, je me suis vraiment paumé sur un circuit avec le boot. Vraiment. Vraiment. Alors là,
le boost, je voyais plus où était le virage et je me suis paumé. Sans déconner, je me suis vraiment paumé. Je suis débile. Oh là là! Vas-y, vas-y. Tant de saut, waouh. Allez, 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 non, allez, double, double, putain. Ça règle pas, ça règle pas, ça règle pas. Quoi, ça règle pas? Et puis putain, attends, c'est nous qui gagnons ou c'est vous qui perdons? Attends, fais voir. Mais non, c'est toi qui avec bien sûr. Ah oui, temps. C'est moi. J'ai pas eu le temps de voir, mais je crois que oui. Je crois que oui, que c'est toi. Que pauvre boîtier du SDPVR, il a pris cher quand même. Ouais, parce qu'on avait fait ça comme ça, quoi, pas bon mal. Allez, descend du vrai, retente. On y arrivera. On y arrivera, Balthazar, le box. Oh, bon, juste... Attends, un couteau. Pas de problème. Bon, en fait, il y a rien d'intéressant. Je vous aime, putain. De toute façon, ça sert à rien parce qu'ils nous entendent pas, mais quand on vient pas de 10 km de là. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? On a pas le retard qu'on s'y là. Désolé, parlez. Arrête ta drogue! Les patates, c'est bon! Les patates, c'est bon! Je sais, il y a pas ce qu'ils disent, mais c'est vraiment aussi. Ah non, mais il y a pas trop d'amis qui ont dégénéré! Le bleu, c'est de la merde! Le rouge, ils vont gagner! Ils vont gagner! Il y a des insultes là à chaque fois! Le bleu, c'est de la merde! Le bleu, c'est. Quelqu'un est contre nous! Quelqu'un contre les bleus! Ah, Enzo, il est avec Nogi! De toute façon, dans ta team, c'est des corrompus! Qu'est-ce que t'as fait? Mais oh, oh, je veux jouer! Arrête, arrête, appuie sur A! On est parti. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, pourquoi il y a une vague de trucs rubans d'un coup? Une vague. Tu vois, et Is. Ça, c'est la Tenzo Mario et Noizy, non? Et oui, oui, je te l'avais dit. Peut-être. Je te l'avais dit dans la course. Ah, que... Non, c'est bon. Ah, cette fois-ci, en fait, c'est inversé, c'est bon, je suis rouge. Je te l'avais dit dans la course qui a précédé le bug. Ah, enfin une vraie course. Non, on a oublié d'activer la vibration. Ouais, mais laisse tomber, on est con. Je sais pas ce qui se passe dans cette vidéo, on est débile. Bon, est-ce qu'on va pouvoir réussir à faire au moins un grand prix? Parce que depuis tout à l'heure. Bon, là, c'est passé, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Sinon on abandonne. Tu vois que ça a bugué parce que t'as eu un bug de manette ou pas? Non! Non, 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 je suis même pas sûr que ce soit moi. Ouais. On avait pas un bug comme ça une fois, tu sais, ça a bugué bizarrement. Si, si. Mais après, je sais pas comment on avait fait pour résoudre le problème. Enfin bon, bref. Ouais. Bon, je suis 7ème et sachez premier, c'est horrible. Quelle vision horrible. Jamais en avant tout le monde. Ce qui est logique, c'est les premiers en fait, c'est con ce que je dis. Je trouve pas que c'est con, Sacha. Oh non, mais non, mais. Écoute, à chaque fois que tu fais celui. Ouais, ça y est, je me suis enfin habitué aux commandes de Mario Kart 8 et puis finalement t'es 7ème ou 9ème. Non, je suis 8ème là. Donc. Bon, ça va, c'est bien, c'est un bleu devant moi encore, ça me dérange pas. Bah, t'as vu. C'est vrai. Oh, hop. Oh, merde, il est tombé. Regarde ce que je fais. What, il vient où d'où lui? Qu'est-ce ah, il a dû prendre la réponse. C'est, vrai, il est c'est tombé. Pas vrai. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon bah. Enfin, je pense que tout à l'heure on gagnait, ma team était en train de gagner, et puis bah, bof. À cause de toi. À cause de ce bug à la con. Mais attends, on est même pas sûr que ce soit de ma faute. Non, mais je rigole. Je rigole, bon merde. Avec ça quand même, je vais en doubler, hein, c'est pas possible. Et je mange le mur, et là je mange le vide. Putain. C'est pas vrai. De toute façon, pour Sacha, il n'y a aucun challenge. Il est premier, puis de toute façon, plus personne peut le doubler. Et voilà, premier. C'est nul, franchement, c'est nul. Quand tu joues. T'es pas dans le peloton. C'est nul. Moi, tu vois, on rigole. Par exemple, tu vois, Itachi, je me balance en bleu comme ça. Oh là là, c'est trop l'éclate.
Oh, ma bleue a explosé après, regarde. Magnifique ce qui s'est passé, encore une fois, une magnifique victoire de l'équipe des rouges. Non, alors là, si c'est pas les rouges, si c'est pas les bleus qui gagnent, c'est qu'il y a un bug en fait, au compteur. Il n'y a pas de bug au compteur, pas du tout même. Bon, allez, on persiste avec Descente Givrée. Tu sais, Descente Givrée, c'est de la merde. Je sais pas te le dire. Descente Givrée encore, je crois qu'on va jamais tomber dessus, c'est ça. Allez, c'est pas juste, bah oui c'est pas juste, moi je vais leur mettre. C'est pas juste. Parce que c'est pas juste, je l'avoue, c'est pas juste. Vous les bleus, vous avez des tricheurs. Vous avez Sacha. Non, j'espère. Oh, j'espère que c'est un bleu qui s'est cassé. Ah, il y a quelqu'un qui s'est cassé? Ouais. Ah. Si c'est un bleu, je suis... Bah normalement il doit... Putain, mais c'est quoi leur problème avec Big Blue? Ouais, bah ouais. Non, c'est logique, ils doivent aider l'équipe faible. Ouais, ta gueule. Il y a un bleu qui s'est cassé, il y a un bleu qui s'est cassé. Ah. Non, ils doivent aider l'équipe faible. C'est ça. Bon, par contre, pourquoi il y a... Oh, mais merde, Big Blue, quoi, mon la fou. La fou. J'aime bien Big Blue, hein, mais bon. J'aime bien la musique sur ce Big Blue. Ah, sur ce... Ah. Deux... Non. Trop faible. Spète les coups. Lucas, je suis trop con, Lucas, bon, merci. Vous voyez comment il me... Technique de déstabilisation. Lucas, t'es trop con. Lucas, t'es vraiment sympathique, ce mec. Bon, huitième. Allez, bombardons. Eh mais ce virage à chaque fois je me fous. Je vais passer en bas. Je pense qu'en vrai c'est plus rapide, franchement. Faut du surveillant, faut que tu sois plus rapide. Donc j'ai pas de skill. Ah t'es 8ème. Attends, je vais finir avant toi. Oh, que je vais finir avant toi. 5ème, 6ème. Presse à l'arrière. Mais non, j'en reviens pas, il m'a doublé en plus, il a un truc. Je suis en concentration pour doubler Sacha, mais je ne peux pas. C'est bon. Bon. Franchement, le bloop c'est tellement inutile, quoi. Bah pourquoi tu gueules, l'ancien? Ah non, c'est toi qui l'as eu. Oui. Non, c'est moi qui l'ai eu, tu vois, dans une boîte à oui, objets. Mais je comprends ce que tu veux. Oh là là, oh là là. Sixième, je t'ai donné. Tiens. Non, connard. Et alors là, on va tous vous rattraper. Et j'ai fini avant. Oui, j'ai fini avant toi. C'est qui le meilleur? Vas-y, sache c'est qui le meilleur. C'est qui le meilleur? C'est Lucas. Et alors, il y a les rouges. Ouh, la vague, bah oui, parce que vu qu'à la fin, j'ai balancé un. Bah, tu sais que nous, il nous manque un joueur quand même. Ouais, c'est vrai. Donc, vous avez pas trop de mérite. Hein. Et on vous bat d'un point. Ouais, mais c'est. Voilà. Peut-être que quelqu'un va rejoindre. Ouais, il faudrait. Parce que là, on vous bat d'un point. On vous bat d'un point. On persiste ou pas? Non. On vous bat d'un point. Non mais on persiste. Oui, oui, c'est vrai. Je suis con. Descente Givrée. Encore. Oui, encore. Et encore. En plus, c'est galère à choisir. Et quelqu'un va encore mettre Big Blue. Et un, encore. 1, 2, 3, et encore. Non, je pense pas qu'il y ait quelqu'un là. 7, 8, 9, 10, 11. Ouais. Salut, chien. Ah, Min Wario, tiens, Sacha, ça te dit un petit Min Wario? Non. Non? Bon, bah tant pis, parce que ça va tomber sur Min Wario, je te le dis. Yes! Et là, je sais pas pourquoi, je suis précisément qu'on va faire de la grosse merde. Donc, comme ça va être parfait. Fais voir, est-ce que j'ai plus de points que toi? Ah oui! En plus, j'ai plus de points que toi. Même si j'ai terminé premier une course. Moi, j'ai 9 points en avant. Ah, mais non, alors j'en ai plus que toi. En plus, je le croyais au début. Putain, pourquoi tu me croyais? Ah ouais, c'est vrai que tout à l'heure t'as fini derrière. Donc, là regarde, j'aime bien. C'est en synchro avec la musique, t'es le Rayman Legends. Bon par contre j'ai pas eu de cube, donc c'est un peu cool. J'en ai eu un pour toi si tu veux. Mais je te le donne pas. En fait je peux pas. Sur Mario Kart DS, tu pouvais voler les cubes à tes adversaires avec le bout.
Alors j'ai fait du gros caca. Tous ceux qui étaient œil fixé vers la gauche. Ah oui, d'ailleurs je me demande en général les jeux ils regardent qui. Ça c'est. Faudrait. Bah d'ailleurs dites-nous dans les commentaires vous regardez qui plutôt. Mais non, il a pas fait de figure. Ça, c'est les fails, la rage. Parce que, vous regardez à gauche. Le grand talent. Les coups. Le grand les talent. Gens, les coups. Les bonnes accélérations. Vous regardez à droite. C'est ça. D'ailleurs c'est pas logique parce que moi je suis gaucher donc je devrais être à gauche plutôt. Toi à droitier donc tu devrais être à droite. Ouais bon ça habitué comme ça. Et puis en plus, même un truc qui est con, c'est que toi t'es assis à droite de la télé. Enfin non, à gauche. À gauche, oui, à gauche. Et donc du coup on avait essayé de regarder en diagonale, ce qui est débile. Enfin bon. C'est pas très grave. Parfois j'aime bien tu vois quand je fais. Bon je suis dernier. Parfois quand je fais des bons trucs, tu vois, sur le circuit, parfois j'aime bien regarder ton écran pour voir de la merde. Parce que t'aimes bien regarder de la merde. C'est intéressant. Non, mais quand tu viens de toi, c'est encore plus intéressant. Ça mord en clash là. Il va se calmer ce chat. Parce que moi je peux dire la clash sur toi. D'abord, t'es pas fort. Ouh. Oh. Entre popo. Ah, de gueuler comme ça. Les voisins sont pas obligés de savoir ta blague du entre popo. Putain. Moi je passe entre les drapeaux. En fait entre les drapeaux ils auraient dû mettre un putain de boost tu vois. Ah ouais c'est stylé. Ouais mais après dans le virage c'était casse-gueule. Bah j'ai fait avant de. Putain je suis avant Sacha encore hein. Sacha il fait de la merde. NON. Eh vous avez pas de chance à chaque fois vous avez un éclair juste avant la fois. Putain pourquoi nous on a pas d'éclair. Vas-y. Vas-y. là. D'humour sur le plateau de MD44. Ah, j'ai serré les fesses parce que j'ai vu qu'il allait me doubler. En plus, la bleue elle était pour moi. T'as encore 6ème et 7ème. C'est pas possible. Ah non, je suis maintenant en première, puis en 6ème, Sacha. Bon, bah là on a perdu. Ça y est. Game over. Game over pour toi, Sacha. Ben oui, mais. Game over pour toi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Pour le rappel. Non, je fais bon. Est-ce qu'on persiste? La partie le termine. Arène est la partie le termine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, bah non, que j'ai envie des saucisses. J'espère que quelqu'un se repointera d'ici la fin. Parce que c'est bon. Enfin, sur les grands prix, on s'en fout. Mais sur les trucs. Sur les trucs comme ça, ouais, c'est plus chiant. Au pire, on pourrait mettre un ordinateur si. Je crois qu'on peut, hein. Pour l'approche, oui, tu mets IA, oui, ouais, c'est con. Là, c'est... la troisième course, hein. Là, c'est la troisième. Si on refait une bataille en équipe et qu'il manque tout le temps quelqu'un, on mettra un IA. Ah, c'est cool, c'est ce circuit, ça. Ah, ouais, d'ailleurs, je devrais. Ah, ouais, merde, on aurait dû les valider parce que, comme ça, même je vois que c'est tu les valides, même si, oui, dès qu'il manque quelqu'un, ils arrivent. Bah, du coup, on les valide. Tu sais, c'est player, là. Pas pour les courses normales, si on s'en fout. Même si manque quelqu'un, c'est pas grave, mais si, parce qu'après on fera dans la prochaine vidéo bah, tout simplement une course comme ça entre équipes. Et là, du coup, bah oui, on vous foutra un. Tac. Et j'ai un problème, j'arrête pas de me perdre sur les circuits, c'est fou. Je me trompe de virage. Okay. Comme si tu sais, quand t'es en miroir, là, tu te trompes dans les virages, sauf que moi. Je suis pas en miroir. Et qu'en plus, voilà. Je connais pas assez Mario Kart 8 pour me tromper dans les virages. Dû au fait que t'es en miroir. Tu comprends ce que je veux dire ou tu non pas. En fait c'est genre ce circuit là par exemple je te connais pas bien ce circuit. C'est le circuit en plus qui était sur Mais moi je comprends pas les gens qui disaient ouais dans Mario Kart 8 les circuits sont vastes on se perd du nom. Mais c'est simple. Tu suis la piste. Je comprends pas. T'as un fossé non, sur mais les côtés ça, c'est pas une piste. Bah ben, voilà. Oui non mais même je sais pas là tu dis que tu te perds bah c'est simple tu suis la piste non. Non c'est pas que je me perds c'est que je me foire dans les virages. Oui tourner par exemple quand t'as un virage qui va vers la gauche je tourne à droite. Ah non mais parce que là ça t'as pas c'est un manque de technique. Ça, parce que t'es con. Oui voilà non, je voulais pas le dire. Je voulais pas le dire mais bon. Tu veux dire que t'es plus intelligent que moi c'est ça. Ça prouve rien du tout. Est-ce que ce delta plane sert à quelque chose. Ouais parce que la Romario qui prend. Là bah, si Romario le prend tu le prends hein. Bah ça, parfois regardez la technique vous faites demi-tour pour aller chercher un cube que j'aurais pas dû faire ça. Mais quel con. Ah là là non. Si vous voulez voir des belles actions regardez à droite. Bah oui. Bah oui. Vous allez voir une putain de remontée.
que c'est pour ça que je me fous de toi, parce que tout à l'heure tu disais non, 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 mais regarde à droite, hein, vous allez voir une putain de remontée. Ok. Il est 11ème, on va voir. Moi, une putain de remontée, c'est-à-dire que tu remontes au moins 6 places. C'est-à-dire t'es 5ème, quoi. Je fais la traduction pour ceux qui sont pas très forts en maths. Enzo Mario. Enzo Mario, je te déteste. À cause de toi, je me suis pris mes propres vertes. Enzo Mario. Non, bon bah j'aurais pas réussi à faire la remontée que vous avez promis, je suis désolé. Il a même pas, il a même pas remonté une place, c'est pour vous dire quand même. Putain, j'ai fini 6ème, j'ai vu. Ah, si tu finis 7ème, tu... Non. Non. Bah, j'ai moi j'ai fini 6ème. Putain de remontée, j'ai gagné une place. C'est vraiment nous. Donc en tout cas, on vous dit à la prochaine tout le monde, j'espère que c'est... Non, il reste une course. Il reste une course. Oui. Non. C'est si, il reste une course. Non, il reste une course, ah bon. Trop pressé de finir la vidéo. Non, c'est pas pour ça, parce que je vais immédiatement relancer la capture pour pas perdre trop de temps sur la prochaine vidéo. Mais je... Oui, non, mais non, t'as raison, c'est pas fini. Mais... Alors, quelle course on va prendre, mon cher ami Sacha? Mais non, c'est fini, tu vois. Quel troll. Bon, en tout cas, c'est donc l'équipe rouge qui a gagné. Surtout, on vous dit à la prochaine tout le monde. C'était MV44. Au revoir tout le monde.